Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. C'est la première fois dans l'histoire de L'Amour est dans le Pré qu'un tel scénario se produit. D'ordinaire, la mécanique est bien huilée, deux prétendants tentent de séduire ce dernier repart seul ou avec l'une d'entre elles. Ce qui devait se passer chez Patrice qui a reçu la ferme, Justine et Véronique, mais alors qu'il a eu un coup de foot pour la deuxième a été séduite par un autre agriculteur de la saison. Lorsque Charlie est venu rendre visite à son ami, elle est tombée sous le charme de ce dernier, avec lequel elle est même repartie. Face à Karine Le Marchand lors du bilan, Charles va expliquer avoir traversé de nombreuses tempêtes dans son couple en raison de la jalousie excessive de Véronique. Cette dernière lui aurait fait des scènes régulièrement, jusqu'au jour où elle aurait franchi des limites. J'envoyais des messages à mon fils qui n'était pas là. Il a fait une crise de jalousie parce que, soi-disant, j'envoyais des messages à mon ex-femme. Je lui ai montré que c'était mon fils et je lui ai dit « Mon fils passera toujours avant toi ». C'est ainsi que le 14 juillet dernier, alors qu'elle passait la nuit chez lui, il lui a fait savoir que leur histoire était terminée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.